Là, je m'appelle Marion Boraz, j'ai 18 ans et je suis interne au Pôle France à Bourges depuis le début d'année. Et je suis en terminale S et je passe mon bac en 2 ans. J'ai commencé le vélo en général en 2006 et le cyclisme sur piste en 2010. J'ai eu 2 titres de championne de France en 2013 et 2014. Et l'année dernière, j'ai fait les championnats d'Europe où j'ai terminé 6e en poursuite individuelle et 3e en poursuite par équipe. Et j'ai gagné le chrono des nations aussi au mois d'octobre avec le pôle. Le Pôle France, c'est un pôle qui regroupe les meilleurs sportifs cyclistes français en ce qui concerne la poursuite individuelle et le contre-la-montre sur la route, et qui se concentre à Bourges afin qu'on s'entraîne tous ensemble pour nous amener au meilleur niveau. C'est le vélodrome le plus rapide de France, je pense, en ce moment. Ce qui est dommage, c'est que c'est une 200 mètres, donc on ne peut pas faire de gros championnats dessus. Mais c'est sûr que c'est un super beau vélodrome et que nous, c'est un très bon outil d'entraînement pour nous. C'est aussi pour ça que le Pôle France a été basé ici. L'entraîneur de ce pôle, c'est Samuel Moineret, et on a aussi un mécano, c'est Stéphane Gendre. On a environ 1 jour, 2 jours de repos par semaine, et ça nous arrive d'avoir du bicotidien le mardi, par exemple, où on fait par exemple le matin de la muscu et l'après-midi de la piste. Début d'année, on va beaucoup travailler le foncier, on va faire des sorties longues pour nous faire l'endurance. Et après, enfin, les championnats qui arrivent juillet-août, on va beaucoup plus se baser sur du spécifique. Par exemple, sur la piste, on va commencer à faire du fractionné pour bien faire monter le cœur et pour s'habituer à faire des efforts courts et violents. Après, il faut avoir une certaine bonne forme physique et puis la motivation. Je trouve que ça va plutôt en se dégradant. Après, ce qui est bien, c'est qu'on a la chance d'avoir le Tour de France et les critériums ou certains grands tours de retransmis. Mais au niveau du cyclisme féminin, on n'a rien du tout. Et après, au niveau médiatique, on parle surtout de dopage quand on parle de vélo. Et c'est ça qui est dommage, parce qu'il n'y a pas que ça dans le vélo. Et c'est pas ça qui fait la beauté du sport. Et puis, mine de rien, on fait quand même beaucoup de rencontres. Et c'est des rencontres qu'on gardera toute notre vie. Et du coup, c'est ça qui est beau.